Bonjour, je suis Aurélie Guéry, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous parle des probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes qu'on appelle aussi bactéries qui peuplent nos intestins pour créer notre microbiote intestinal, appelé aussi flore intestinale. Ils ont de réels effets sur la santé. Alors déjà, au niveau de notre immunité, ils jouent un rôle de barrière en empêchant l'accès à des bactéries pathogènes. Ils ont également un effet sur la digestion en améliorant le transit intestinal. Également sur la prévention de certaines maladies, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité. Il a été prouvé aussi un lien entre les intestins et notre cerveau. Ainsi, un microbiote intestinal en bonne santé permet une bonne santé mentale. Pour un réel bénéfice sur la santé, il faut une quantité suffisante de probiotiques. Pour en avoir assez, donc vous pouvez consommer des aliments qui en contiennent. Vous en trouvez dans certains aliments fermentés, comme les laits fermentés, les yaourts, certains fromages, la sauce soja, le miso, le tempeh, le pain ou le vin également, la choucroute, la levure de bière, les légumes fermentés. Vous pouvez aussi faire des cures de probiotiques régulièrement. Donc votre pharmacien pourra vous conseiller les meilleures cures à suivre. Et aussi, pour avoir une bonne diversité de bonnes bactéries, il est nécessaire de bien les nourrir. Donc pour cela, il faut consommer des aliments contenant des prébiotiques que l'on trouve majoritairement dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Les probiotiques et les prébiotiques que l'on confond souvent, en fait, ont des rôles différents, mais sont surtout complémentaires. Donc on voit bien que ce que nous mangeons ne sert pas simplement à nous nourrir, mais surtout aussi à faire en sorte que ce que l'on ingère soit bénéfique pour notre santé physique et mentale actuelle et aussi pour les années à venir. Encore une bonne raison d'être attentif à la qualité de notre alimentation. J'espère que tous ces conseils vous ont plu. À très bientôt.